Merci beaucoup tout le monde, à la semaine prochaine. Ouais, excusez-moi, j'ai pas vraiment compris l'exemple que vous avez donné avec les tasses. Tu sais, pourquoi ça serait la tasse la plus simple, qui a aucun détail, puis que selon moi est vraiment trop petite, là? Ça serait la plus design. T'sais, personnellement, je trouve que les autres sont vraiment plus intéressantes. Qu'est-ce qui fait que tu trouves les autres plus intéressantes? Ben, ils sont plus belles, plus faciles à utiliser, à regarder. Regarde, ici par exemple, tu vois cette tasse-là, elle a des ouvertures dans le bas pour pouvoir laisser couler l'eau plus facilement après le lavage au lave-vaisselle. Puis en plus, ces tasses-là s'empilent une par-dessus l'autre, donc ça laisse beaucoup d'espace dans nos armoires. Tu sais, le design, c'est pas seulement la beauté, hein, c'est surtout la fonctionnalité, l'efficacité et le réfléchi aussi. C'est vrai que ces tasses-là sont plus esthétiques, sont plus belles, on aime ça boire du café dans des belles tasses. Mais imagine que tu mets quatre tasses comme ça, une à côté de l'autre, dans ton armoire. Ça remplit ton armoire avec quatre tasses. C'est un gaspillage d'espace. Ouais, mais justement, on aime ça boire du café dans des belles tasses. Il me semble que c'est aussi la job du designer de faire des objets qui sont visuellement beaux, même si ces objets-là sont pas du tout fonctionnels. Tu sais, c'est agréable là, de boire notre café dans une belle tasse. On en prend soin, on est inspiré quand on la regarde. Est-ce que c'est si mal? Quand j'étais étudiant ici, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de design un homme extraordinaire. Tu sais, on a tous dans la vie un professeur là, qui nous marque positivement pour le reste de notre vie. Là. Ben moi, ça a été cet homme-là. Ça a été vraiment un homme extraordinaire. Mais à l'époque, un peu comme toi en ce moment, ben nos opinions étaient très, très différentes. Entrez! Entre. Vous vouliez me voir? Pourquoi t'es parti tout à l'heure? Je sais pas, j'étais fâché. J'ai vraiment pas aimé comment vous m'avez répondu ce matin. Je me suis senti stupide. Si tu veux continuer dans le domaine du design, David, il faudra que tu saches que tu vas souvent te faire critiquer. Il y aura toujours des personnes qui seront pas d'accord avec ton point de vue. Ben justement, je ne sais pas, c'est designer graphique, c'est un métier qui me conviendrait vraiment. Le design est une vocation, David. Pense à ta vie quotidienne. Presque tout ce qui t'entoure a été réfléchi et conçu par des designers. Le design est omniprésent. Donc, le vrai designer, puisqu'il a une si grande influence, devrait être là pour rendre notre quotidien plus pratique et esthétiquement plus harmonieux, n'est-ce pas? Cette mentalité s'acquiert lentement, petit à petit, tout au long d'une vie, et exige beaucoup de détachement face au superflu. Oui, la beauté nous inspire, je ne veux pas dire qu'elle n'a aucune importance. Il y a une multitude d'objets nés de l'union entre l'utilitaire et l'artistique. Mais ce n'est pas du design, au sens propre. La plupart du temps, il s'agit d'art décoratif, un terme qui est complètement opposé au design. Ironiquement, ces deux termes sont souvent confondus, associés l'un à l'autre. Pourtant, la définition du mot décoratif est claire. Existe pour le plaisir de décorer. Et je te le demande, David, quoi de plus superficiel qu'une décoration? J'aurais aimé ça le rencontrer. Ça avait l'air vraiment intéressant. Est-ce que je pourrais garder la tasse? Oui, certainement.